cosa comunque, d'accordo. D'accord, les temps sont à distance. L'histoire, c'est la proximité, c'est la, bien ici, la, qualité de la, qualité de la bête et de l'éleveur qu'on met en avant. On va du bout au bout, c'est-à-dire qu'on va chercher la bête chez l'éleveur et puis on la met dans l'assiette. On fait le circuit le plus court qu'il puisse avoir, vu qu'on est entre voisins, on est trop sévragué et c'est ce qui est intéressant dans ce parcours-là. Quoi. Et la qualité est au rendez-vous. Donc voilà, on a fait le bout de. On a fait le circuit le plus court qui puisse exister et tout ça dans une joie en plus, bon, ma foi, qui n'est pas déplaisante. Elle va être abattue où alors? Alors elle va être abattue à Marvejols. Marvejols, ils vont nous envoyer les morceaux les plus nobles pour Pâques. Et après, comme on a un événement de deux chevaux qui va apparaître bientôt sur le Sévraguet, on va en profiter de faire une recette à base de burgers qui sera un bon rapport qualité-prix avec une super qualité de viande. On est la famille Gall, Christian et mes deux fils de la Combe sur le château. Et ce matin, j'ai eu l'heureuse surprise de Jacques Lafont qui m'a demandé si j'avais pas une bonne vache pour faire l'œuf de Pâques. Et j'ai dit si, il y en a quatre, et il est venu et il a choisi une très bonne vache limousine qui est née à l'étable, qui nourrit rien qu'au foin et avec de l'aliment, avec à base de lait. Elle a quel âge? Elle a 8 ans. Putain, elle est restée tout le temps sur le Sévraguet. Ouais, elle est restée tout le temps, elle est née à l'étable. La Cambuzelle. Elle a pâturé, la Cambuzelle, la Cermel, c'est. Que du naturel. Que du naturel. Jacques va être content de notre vache. Et voilà, et c'est très bien. On est content qu'elle se mange sur Sévraguet, la vache. Voilà, et alors on va voir combien on avait dit, une vingtaine de milliers de personnes qui vont venir pour le rassemblement des deux chevaux. Manger la vache. Qui vont manger cette vache. Donc elle va être mangée à Sévraguet et elle va partir dans toute la France. Mais c'est un bel exemple de commerce de proximité. Et de soutien de l'économie locale. Et voilà, c'est tout point de vue. Bravo à tous.